Bonjour. Installez-vous confortablement, en tailleur assis par terre, en lotus ou demi-lotus, ou assis sur le bord d'une chaise, les pieds à plat, le dos bien droit, le menton légèrement rentré et la tête comme suspendue par un fil. Aujourd'hui, nous allons méditer pour stimuler le quatrième chakra, le chakra du cœur. Vos paupières sont closes, vos mains sont posées sur vos cuisses et vous allez respirer tranquillement en portant toute votre attention sur votre respiration. Sans rien forcer, portez votre attention sur l'air qui entre par vos narines à l'inspiration et qui sort par vos narines à l'expiration. L'air que vous respirez, inspirez et expirez, forme une vague qui entre et sort par vos narines. Continuez d'observer votre respiration et tout en l'observant, vous allez la calmer afin qu'elle devienne de plus en plus profonde, de plus en plus calme et lente. Mais cela va se faire naturellement, sans rien forcer. Inspirez calmement et expirez calmement par le nez. Je vous laisse, comme ceci, faire quelques respirations calmes, lentes et profondes. Portez maintenant votre attention sur votre quatrième chakra, le chakra du cœur. Le chakra du cœur se situe au niveau de votre cœur, à quelques centimètres de votre corps physique, sur votre corps d'énergie, et il fait pénétrer dans votre corps une énergie de couleur verte, teintée de rose. Il est le seul chakra, parmi les sept principaux, à être double en lui-même et rayonné de deux couleurs. Ce chakra stimule le sentiment d'amour. Il est le lien qui relie les chakras du bas et les chakras du haut. Il se situe parfaitement au centre et il fait le lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Portez toute votre attention sur ce chakra et imaginez l'énergie de couleur verte qui entre par le chakra du cœur et va pénétrer toutes les couches de votre corps. Cette énergie va alimenter votre système lymphatique, votre système sanguin, tous les organes, toutes les glandes, toutes les cellules qui composent votre corps, d'une très belle énergie de couleur émeraude, d'un beau vert lumineux, teinté de rose, et vous procurant une très belle énergie d'amour. Chaque fois que vous inspirez, vous imaginez que cette belle énergie entre par le chakra du cœur et va baigner tous vos organes, toutes vos cellules et remplir tout votre corps d'un fort sentiment d'amour. Puis vous imaginez que cette belle énergie verte et rose se répand dans tout votre corps et que tout votre corps rayonne d'un beau vert émeraude avec ici et là des petites touches de rose qui peuvent être représentées par des petits cœurs. Puis à l'expiration, vous imaginez que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et emmène avec elle toutes les toxines, tous les blocages qu'elle aura délogés, surtout en ce qui concerne le sentiment d'amour qui peut par moments vous faire défaut. Inspirez de nouveau par le chakra du cœur et voyez cette belle énergie verte pénétrer par ce chakra pour alimenter tous vos organes, toutes vos cellules et remplir tout votre corps d'amour, d'un fort sentiment d'amour inconditionnel. Sentez comme vous êtes aimé. Puis vous imaginez que cette belle énergie verte et rose se répand dans tout votre corps et que tout votre corps rayonne d'un beau vert émeraude avec ici et là des petites touches de petits corps roses.
Puis à l'expiration, vous imaginez que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et emmène avec elle toutes les toxines, tous les blocages qu'elle aura délogés, ainsi que tous les sentiments de manque d'amour que vous pouvez ressentir par moment. Le chakra du cœur est le siège de l'amour. Inspirez de nouveau par le chakra du cœur et voyez cette belle énergie verte pénétrer par ce chakra pour alimenter tous vos organes, toutes vos cellules et remplir tout votre corps d'amour, d'un fort sentiment d'amour inconditionnel. Vous pouvez vous sentir aimé maintenant. Respirez et sentez que votre cœur se gonfle d'amour. Puis vous imaginez que cette belle énergie verte et rose se répand dans tout votre corps et que tout votre corps est entouré d'une bulle de couleur vert émeraude, avec ici et là des petites touches de petits corps roses. Puis à l'expiration, vous imaginez que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et emmène avec elle toutes les toxines, tous les blocages qu'elle aura délogés, ainsi que tous les sentiments de manque d'amour que vous pouvez ressentir par moment. Maintenant, vous allez imaginer, en inspirant par le chakra du cœur, que cette énergie de couleur verte remplit totalement votre corps d'une énergie d'amour. Tout votre corps rayonne d'une couleur vert émeraude, teintée de rose, et rayonne d'amour. Puis, à l'expiration, avec le souffle, vous voyez cette énergie sortir par vos mains et vos pieds et entraîner avec elle tous les sentiments de frustration, de peur, de manque d'amour que vous pouvez ressentir par moment, pour laisser la place à un fort sentiment d'amour qui vous envahit et gonfle votre cœur de plénitude. Je vous laisse quelques instants faire ces respirations vous-même. Refaites tout le trajet avec l'énergie verte à l'inspiration et à l'expiration, en imaginant que l'énergie sort avec le souffle par vos mains et vos pieds. Reprenez une nouvelle inspiration d'énergie de couleur verte. Avec des petits cœurs roses, cette énergie remplit tout votre corps, puis à l'expiration, une vague de couleur verte emporte avec elle tous les mauvais sentiments, la frustration, la peur, le manque d'amour, les humiliations, les trahisons, les mauvais traitements que vous avez subis. Et votre corps est maintenant nettoyé de ces mauvais sentiments. Et toute la place est occupée par le plus fort sentiment d'amour que vous puissiez ressentir. Un sentiment d'amour infini, un sentiment de bien-être, un sentiment de calme et de sérénité. Vous allez maintenant inspirer par le premier chakra, le chakra racine. Le chakra racine rayonne à la verticale en direction du centre de la terre. Il est placé au niveau de votre périnée. Une énergie de couleur rouge monte du centre de la terre, pénètre par ce chakra racine, remplit tout votre corps d'une belle couleur rouge comme un coquelicot au soleil d'été. Tout votre corps rayonne dans une bulle de couleur rouge. L'énergie qui pénètre par le chakra racine vous permet de matérialiser tout ce que vous voulez sur la terre. C'est l'énergie qui vous permet de vous lever et d'aller de l'avant, de marcher sur le chemin de votre vie avec assurance. Il est important que ce chakra soit bien stimulé pour acquérir la puissance et l'ancrage nécessaires pour bien vivre votre vie avec toutes les créations que vous allez mettre en place. Cette énergie vous met debout sur vos pieds pour avancer. Puis à l'expiration,
Vous allez imaginer que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et entraîne avec elle toutes les limitations qui vous empêchent de vivre votre vie, qui vous empêchent d'avancer et de matérialiser ce que vous voulez créer dans votre vie. Maintenant, vous allez inspirer par le deuxième chakra, le chakra sacré. Le chakra sacré rayonne à l'horizontale en direction du monde devant vous. Il est placé au niveau de votre abdomen, environ 2 doigts sous votre nombril. Une énergie de couleur orange pénètre par ce chakra et remplit tout votre corps d'une belle énergie de couleur orange, comme un bel abricot dans sa maturité. Tout votre corps rayonne maintenant dans une bulle de couleur orange. L'énergie qui pénètre par le chakra sacré va soigner toutes les émotions qui vous submergent et surtout celles remontant à la toute petite enfance. Des émotions qui vous donnent quelquefois envie de pleurer. Puis à l'expiration, vous allez imaginer que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et entraîne avec elle tous les blocages, toutes les toxines qu'elle aura délogées de vos cellules et surtout ces émotions qui vous empêchent d'être totalement heureux, totalement détendu. Vous allez inspirer maintenant par le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire rayonne à l'horizontale en direction du monde devant vous. Il est placé au niveau de votre estomac, à quelques centimètres de votre corps physique. Une énergie de couleur jaune pénètre par ce chakra et remplit tout votre corps d'une belle énergie de couleur jaune, comme un beau tournesol épanoui sous le soleil d'été. Tout votre corps rayonne maintenant dans une bulle de couleur jaune. L'énergie qui pénètre par ce chakra vous permet de digérer non seulement les aliments que vous ingérez, mais également tous les problèmes, tous les aléas que vous pouvez rencontrer sur votre route. Lorsque ce chakra est bien stimulé, vous pouvez y puiser toute la force et la puissance nécessaires pour continuer d'avancer dans votre vie, malgré les problèmes qui peuvent survenir. Puis à l'expiration, vous allez imaginer que cette énergie sort par vos mains et vos pieds et entraîne avec elle tous les blocages, toutes les toxines qu'elle aura délogées et qui vous empêchent de puiser la force nécessaire pour continuer votre vie. Vous inspirez maintenant par le quatrième chakra, le chakra du cœur. Le chakra du cœur rayonne à l'horizontale en direction du monde devant vous. Il est placé au niveau de votre cœur à quelques centimètres de votre corps physique. Une énergie de couleur verte pénètre par ce chakra et remplit tout votre corps d'une belle énergie de couleur verte comme une belle émeraude brillant de 1000 éclats teintés de petits corps roses. Tout votre corps rayonne maintenant dans une bulle de couleur verte. L'énergie qui pénètre par ce chakra vous permet d'installer en vous un beau sentiment d'amour, un sentiment tellement fort et puissant qu'il accroît votre confiance en vous et votre estime de vous. Maintenant que vous avez un peu fait le ménage dans les chakras du bas, vous pouvez stimuler le chakra du cœur. Lorsque ce chakra est bien stimulé, vous n'avez plus peur de rien et surtout pas de ne pas être aimé, car l'amour sera installé dans votre propre cœur et n'aura pas besoin d'être trouvé à l'extérieur de vous. Et ce que vous ferez à l'intérieur de vous se manifestera à l'extérieur de vous. Vous rayonnerez d'un véritable sentiment d'amour que tout le monde pourra percevoir. Puis à l'expiration, vous allez imaginer que cette énergie sort par vos mains et vos pieds, entraîne avec elle tous les blocages, toutes les toxines, tous les sentiments de mal-être qu'elle aura délogés et qui vous empêchent de ressentir ce merveilleux sentiment d'amour puissant et fort.
Revenez maintenant à une respiration naturelle. Vous allez simplement observer votre respiration lente, calme et profonde, sans aucune visualisation. Simplement votre souffle qui entre par votre nez à l'inspiration et sort par votre nez à l'expiration, de façon naturelle et spontanée. Prenez conscience de votre corps, revenez au moment présent, là où vous êtes assis, ici et maintenant. Puis, quand vous êtes prêt, tout doucement et à votre rythme, ouvrez les yeux.